Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? J'espère que tu m'entends. Alors attends. Je sais pas si tu m'entends. Ok, tu m'entends? Ouais, ok. Bon, là je vais éteindre mon linge tout simplement. Ce matin, j'ai travaillé sur. Enfin, j'ai reçu mon bot. Donc j'ai travaillé dessus, sur le backtesting, etc. Donc je vais te montrer ça tout à l'heure. Donc là, je vais éteindre mon linge tranquillement. Parce que là, il fait beau, il fait chaud, donc pour que ça puisse sécher. Ah oui, j'avais encore oublié, à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois j'oublie. Donc si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, que tu vois cette casquette là et que tu te dis mais c'est qui ce gars là, ben, je m'appelle Laurent, je suis un passionné de trading comme toi. Et puis ben, derrière moi, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de piscine avec villa luxueuse, etc. Non, je suis un gars normal comme toi et je suis passionné par le trading manuel mais aussi par le trading automatique. Donc, si tu veux obtenir un big cadeau d'une valeur de 2 262 $, c'est très simple, tu vas dans la description en bas de la vidéo. Voilà, où tu obtiendras 10 robots de trading gratuitement. Et ça, c'est pour toi. Voilà, sans webinaire en mode automatique où tu dois acheter quelque chose à la fin. Non, ça, c'est gratos pour toi. Tu fais ce que tu veux avec, c'est en mode illimité. Voilà, tu testes les robots, tu les backtests. Essaye de voir si les paramètres te conviennent ou pas. Voilà, tu fais comme tu veux. Après, tu auras aussi un autre gros cadeau. Ce sont des indicateurs qui déchirent, mais qui déchirent vraiment. Donc, je t'invite aussi à aller dans la description pour cliquer sur le lien pour obtenir tes indicateurs. Voilà. Et puis, si tu veux rejoindre les Forex Brothers, si tu veux rejoindre notre team, la Trading Family, bah, je t'invite aussi à aller dans la description. Tu verras, tu pourras prendre soit un MT4 Hackpack, MT4 Hackers Hackpack 1, Hackpack 2 comme tu veux. Et puis si tu veux aussi t'améliorer dans le trading manuel, tu as la stratégie des trois crânes, tu auras d'autres formations qui vont tomber aussi. Et également je vais préparer une formation sur Ichimoku, ça va déchirer et ça va te permettre aussi de trouver des opportunités sur le marché du Forex. Voilà, je fais ça et puis je te montre les résultats que j'ai obtenus ce matin en backtest avec mon bot. Je suis vraiment trop content, ça se voit pas trop sur mon visage, mais je suis super excité, je suis vraiment trop content. J'ai bien bossé, j'ai regardé un petit peu les détails, j'ai même modifié 2-3 trucs. Et puis voilà, donc un gros big up aussi à mon développeur qui a fait vraiment un boulot fantastique, qui a permis de sortir un bot qui est rentable. Donc c'est vraiment un big boulot parce qu'il a vu que j'avais, selon les paramètres que je lui avais balancés, il a détecté qu'il y avait un petit souci à un certain niveau. Donc il m'a fait part de ça. Et donc on a pris un peu de retard sur la sortie du bot, mais c'est pas grave. Je lui ai dit ok, vas-y, balance, fais ce que tu as à faire. Et puis franchement, là j'ai backtesté ça, c'est vraiment, vraiment génial. Le truc il est quasiment rectiligne. Voilà, c'est super génial. Donc je vais mettre mes vêtements à sécher et puis on se retrouve juste après dans mon petit bureau avec le fond vert où je te montre aussi les résultats de ce backtesting. Ok? Ok bro. Alors, je regarde un petit peu parce que tu vois, mon ordinateur, il a tendance à ne pas tenir la charge. Donc, je vais te montrer le résultat du back test. Alors, attends, parce que j'ai aussi des alertes qui tombent là sur l'or, tout ça. Donc je vais montrer les résultats du backtest, donc il va falloir que j'enregistre. Donc, cliquez sur enregistrer. Et je vais te montrer l'écran. T'expliquer un petit peu. Donc du coup, ce matin, j'ai reçu le robot. J'ai commencé par faire un backtest sur... Euro-USD avec les paramètres que je lui avais donné et sa modification à lui par rapport au comment dirais-je par rapport au
Alors attends, je suis en train de faire 10 000 trucs en même temps. Donc ça, donc par rapport à ce que je lui avais donné et par rapport aussi à sa modification au niveau de la martingale, des calculs au niveau du martingale, parce que ça n'allait pas en fait. Le problème avec le bot à l'origine, c'est que il pouvait finir en fermer toutes les positions mais en négatif, donc ça n'allait pas. Alors, je vais. Bah tiens, je vais mettre ça comme ça. Et je te montre l'écran. Attends. Voilà. Allez, mon ordinateur est vraiment sale. On ne voit pas très bien. Mais c'est pas très grave, on s'en fout. Alors. Il y a des bestioles, c'est ça la campagne mon gars. On play. Donc je vais t'expliquer un petit peu. Hop, 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 ça prend du temps pour... Voilà. Ok, on a démarré. Je vois pas bien mon écran. Je vais peut-être me rapprocher comme ça. Voilà, je me rapproche comme ça. Donc, alors, j'ai fait créer. J'ai créé avec l'aide de mon développeur un robot. Donc, je l'ai baptisé Forex Boss. Je ne sais pas si ça sera son nom définitif. Mais voilà, donc je cherchais un nom et je me suis dit Forex Box, c'est un super nom. donc là j'ai backtesté le robot sur GBP/USD. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sur Euro/USD, sur GBP/USD pardon, la volatilité est déjà un peu plus importante. Et surtout j'avais déjà eu des robots qui ont cramé sur GBP/USD. Donc je me dis que si le bot fonctionne, arrive à tenir sur GBP/USD, alors il tiendra sur les autres. Donc comme tu vois sur le graphique, tu vois l'ensemble du graphe. Donc là au fur et à mesure ça monte. Alors il y a une chose que j'ai pas faite, c'est au niveau du capital de départ sur lequel il se basait. Donc le capital de départ sur lequel il se basait c'était 10 000. Donc ça, j'ai pas modifié ça. C'est tout simplement parce que je voulais voir quel était le DD max dans le sens de profondeur, d'accord. Donc je voulais vraiment qu'il tourne à plein régime pour voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, on voit que sur les 2 ans, parce que ça c'est un backtest sur 2 ans, on voit que sur les 2 ans, il a pris énormément de trades et que au final, il était positif. Donc sur 2 ans de backtest, le bot tient la route. On voit qu'au début il y a eu une poussée et ensuite c'est revenu à la normale. Ça s'explique pourquoi? Ben, ça s'explique parce que il a pris plusieurs trades avec plusieurs niveaux et que là en fait on avait une profondeur au niveau du DD d'environ 190 euros, d'accord. Donc ça veut dire que ça, c'est le truc que le truc pire qui peut arriver, enfin en tout cas sur les 2 ans de backtest, c'est le truc pire qui est arrivé et c'était 190 euros de DD, de profondeur. Donc du coup, si tu as un capital, donc si pour un capital de 300 euros, ben ça serait passé quand même avec un effet de levier de 1 pour 500 ou même 1 pour 1000, enfin 1 pour 500, 1 pour 1000. Eh ben, le bot aurait tenu et aurait atteint exactement le même résultat. Donc on a un ici, tu vois, c'est 10848, donc c'est 848. Alors je vais te montrer au niveau du rapport. Voilà.
Donc là, mon tick modèle, c'est pas le plus respecté, d'accord? Parce que on s'était sur 2 ans, donc il fallait que je le mette sur assez longtemps. Je vais descendre un petit peu. Voilà, je me descends de moi. Et donc, encore une fois, les 10 000 de dépôt initial, c'était juste pour voir comment le bot allait se comporter et quelle était la chute max. Parce que si j'avais mis par exemple que 100 euros, ben, j'aurais pas pu voir que. Il aurait été en négatif, ou il aurait perdu, et j'aurais pas pu voir que c'était un trade, un robot, pardon, gagnant, dans la mesure où il faut mettre un capital nécessaire. Donc là, j'ai pu voir que 300 euros étaient suffisants. Alors, c'était le minimum en tout cas. Pourquoi? Parce que tu vois, j'ai la chute maximale ici, qui est de 184,15, la chute maximale. Donc du coup, la chute maximale me montre à quel moment le robot était vraiment dans le rouge, hein, le plus possible. Donc il était pour moi, il était à 184 dollars, donc, ou euros, peu importe. Donc pour moi, c'est 190 euros, 200 euros. Donc avec un capital minimum de 300, ça tient la route. Là, on a un profit total net de 839 euros, ce qui est bien. Donc si on avait un capital de 300, on aurait atteint 839 euros, ce qui fait quasiment du 300% sur les 2 ans. D'accord? Donc ça, c'est pas mal, c'est une bonne chose. Et ça, c'est juste pour une paire. Donc là, ce que je vais faire moi, c'est le tester sur un compte. Donc je vais mettre sur un compte avec plusieurs paires, sur un compte Sense. Donc il sera en réel, mais sur compte Sense, afin de voir comment il se comporte en réel avec plusieurs paires. D'accord? Parce qu'en fait, avec le backtest, on ne peut pas voir comment il se comporte avec plusieurs paires. On peut faire que paire par paire et bon, ça peut galère. Mais si toutes les paires sont à peu près comme GBP/USD, donc on aura de toutes les façons une chute de max de 190 si on se base sur les 2 ans. On peut toujours avoir plus, mais si on se base sur les 2 ans, c'est la chute max, c'est 190. Donc voilà, donc je voulais te montrer ça. Donc c'est pas non plus. Alors attends, je vais aussi te montrer. Faut que je retrouve mon curseur. Voilà. Bon, je crois que c'est journal. Voilà. Non, c'est pas le journal. C'est pas le journal. Résultat. Voilà, résultat. Donc, je vais monter un petit peu. Voilà. Et donc, je vais monter le curseur. Ah, je suis désolé bro, mais là je vois pas grand chose avec le soleil. Donc ici, il faut savoir que l'objectif de gain est de 1 dollar, 1 euro, 1 dollar, peu importe, avec du 0,01. Donc du coup, on va chercher à prendre du 10 pips. D'accord? Donc là, ce que je veux te montrer, c'est le nombre de trades à chaque fois qu'il prend. Là, il a pris un trade, boum, il a atteint l'objectif. Là, il a pris 2 trades, donc du coup, l'objectif de 1$ a été atteint. Là, il prend un autre trade. Là, il prend 2 trades. Ici, il prend 3 trades. L'objectif de 1$ a été atteint. C'est comme ça qu'il fait, en fait. Ensuite, là, tu vois qu'il y a 5 trades. Et le max de trades qu'il a pris, c'est 7 trades. Alors je suis en train de chercher pour voir si je le trouve. Là tu as 6 trades. Non, tu n'as pas 6 trades parce que c'est pas pareil. C'est juste à coller. Ici, si je dis pas de conneries. Voilà, le max de trades qu'il est pris, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades. Tu vois, là, 7 trades ici. Et
sachant que j'ai mis, que j'ai paramétré à 10 trades max. Donc voilà, donc ça c'est une chose qui est pas mal. C'est le développeur qui a mis ça en place au niveau de... En fait, moi j'avais mis en fonction des pips, lui il a mis en fonction du TP une monnaie. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Sachant que le robot, il lui va chercher à vraiment à trader en tendance. Alors, donc ça, je descends encore. Donc tu vois que bon, très souvent, hein, il allez, 1, 2, 3 trades, très souvent. Des fois ça arrive qu'il traîne, qu'il faut attendre 6 trades pour qu'il puisse avoir le gain. Mais bon, très souvent, c'est 2-3 trades. 1, 2, 3 trades. Voilà. Donc, je te montre. Et au fur et à mesure, tu vois que ça monte en puissance. Il faut savoir aussi que là, on n'a pas de... J'ai pas encore mis un paramétrage dans le sens en fonction de l'equity. Pardon. Là, c'est, je me suis attaqué par l'euro aussi. En fonction de l'equity. Donc, j'ai pas mis ça en fonction de l'equity. Donc, du coup, en fonction de l'equity, ça sera justement une option que je vais rajouter par la suite. On aura des meilleurs résultats encore parce que ça va s'adapter avec l'equity. Donc, plus l'equity va augmenter, c'est-à-dire ton capital va augmenter, et plus il va s'aligner. C'est-à-dire que là, on est en fixe, en montant fixe de 1$, 1€, alors que l'equity monte, donc on aurait pu mettre en rapport avec le capital. Plus il monte, plus on va chercher à gagner plus. Par exemple, je veux dire, si on est à 300, eh ben, il prend, il va chercher à 1$. Si on est à 450 euros, ben, il va chercher à prendre 1,50$, tu vois, ainsi de suite. Et donc ça aurait été intéressant aussi. Bon. Donc on peut aussi laisser comme ça. Hein. Du coup, ça nous permet d'avoir une profondeur plus importante par la suite. Au cas où. Voilà. Donc voilà, je voulais te montrer ça comme résultat. Et puis je vais lancer le bot. Je vous montrerai au fur et à mesure les différents résultats obtenus avec les différentes paires. Voilà. Donc une dernière chose aussi, je suis en 5 minutes. C'est-à-dire que j'ai testé à l'origine, je l'avais créé pour du 30 minutes. 30 minutes H1. Donc j'ai testé en 15 minutes. J'ai fait un backtest en 15 minutes. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai fait aussi un backtest en 30 minutes. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais faire un backtest en 5 minutes pour voir ce que ça donne. Il n'y avait pas de différence, pas de grosse différence. Donc, je me suis dit, ok, impeccable. Bon, il y avait un peu plus de signaux, mais il n'y avait pas une grosse différence au niveau de la profondeur. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, impeccable. Et donc, du coup, j'ai fait un backtest sur GBVUSD en M5 et ça fonctionne très bien aussi également. Donc le 5 minutes convient. Voilà, donc je voulais simplement te dire ça et puis c'est tout. Hein. Et puis on verra ce que ça va donner par la suite. Pense à si tu es nouveau sur la chaîne, pense tout simplement aussi à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont concerner les différents robots de trading, qui vont concerner les différents indicateurs. Pense à aller dans la description. Dans la description, tu trouveras des liens pour obtenir 10 robots de trading gratuitement. Et sans aucune obligation d'achat, je tiens à le préciser. Hein. Donc, il n'y a aucune obligation d'achat. Les 10 robots que je t'offre gratuitement ont une valeur totale de 2 262$. Voilà. Donc, ça, tu as ça entre les mains. Alors, que tu sois un bras cassé ou que tu sois un véritable Forex Browser engagé, c'est pour toi. Voilà. Sans aucune obligation. Comme ça, ça te permettra de tester des bots, de chercher les meilleurs paramétrages. Et puis comme ça, tu m'enverras un email pour me tenir au courant de tes avancées. Voilà, aussi simple que ça, si tu le souhaites, évidemment.
Et puis pense aussi à mettre un like s'il te plaît pour cette vidéo. Et puis voilà, ok. Bon, je te laisse, ça fait déjà pas mal, ça fait déjà plus de 13 minutes que je te montre mon écran. Donc je vais te laisser, je te tiendrai au courant des avancées sur ce bot que j'ai créé avec l'aide de mon développeur. Ce matin, je l'ai modifié aussi un petit peu. Parce que j'avais remarqué que dans le paramétrage qu'il avait mis, il y avait un élément qui n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, je l'ai modifié aussi. Je l'ai modifié. Et après, j'ai fait le backtest. Voilà. Parce que sans cette modification, il y avait moins de signaux. Il y avait toujours la même profondeur, c'est-à-dire les 190 dollars de DD. Mais moins de signaux. Donc, qui dit moins de signaux, moins de gains possibles. Donc j'ai juste fait une modification vu que je commence aussi à m'intéresser au MQL4 et que voilà, je sais à peu près où jouer. Donc j'ai fait cette modification et boum. Après je pense que bon là le bot pour moi il est top. Tu as pu voir le résultat au niveau graphique. Pour moi il est top. Après bien sûr, il y a toujours, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais bon, c'est très rare de voir. C'est très rare déjà d'avoir un robot où on connaît la stratégie qui est derrière et un robot qui trade en tendance, non pas un robot qui... Parce que souvent les robots, eux, ils vont trader en fonction des oscillateurs comme le RSI, comme la stochastique. Dernièrement, j'ai vu un robot trader avec la OSM oscillateur. Donc voilà, ils vont trader avec ça pour avoir un maximum de signaux, mais sans s'occuper vraiment de la grosse tendance, alors que moi mon bot je l'ai créé pour qu'il puisse vraiment intégrer cette notion de tendance, parce que la tendance, comme tu le sais en tant que trader, la tendance est ton ami, donc le plus souvent en tout cas. Et donc même quand la tendance qui apparaît, le market se retourne, et bien même comme ça, grâce à la martingale que j'ai mis en place, et bien boum, on est gagnant et ça se voit sur le graphique. Tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un like s'il te plaît et va dans la description si tu veux tes cadeaux, c'est-à-dire les 10 robots de trading d'une valeur de 2262 dollars. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est tout simplement, c'est quand tu vas sur les sites officieux, le site officiel de chaque robot, bah, tu vois le prix, bah, c'est le prix qu'il demande. Et donc toi tu l'as gratuitement. Tu as aussi les indicateurs, donc dans la description tu auras aussi des indicateurs si tu te passionnes aussi par le trading manuel. Ces indicateurs, il y a des indicateurs parmi ces indicateurs qui déchirent vraiment, qui sont vraiment top et qui t'aideront aussi à augmenter tes scores dans le trading game. Donc je t'invite aussi à aller dans la description. Voilà, tu auras aussi d'autres liens, liens par exemple sur les MT4 Hackers, pack 1, pack 2 quand ça va sortir, pack 3, etc. qui te permettront d'avoir des robots pour le prix d'un menu maxi best-of, voilà. Donc un robot au prix du menu maxi best-of plus un dessert, fraise, chocolat, caramel, comme tu veux, saveur cookie si tu veux, mais voilà, tu auras ça. Et je vais sortir aussi, donc tu as aussi la formation à stratégie des trois crânes que j'avais créé pour aider un maximum de bros à comprendre comment fonctionne le market et puis tous les bros qui étaient intéressés par le training manuel. Donc tu as ça aussi également. Puis je vais sortir aussi une autre formation, je ne sais pas encore quand, sur Ichimoku. Parce qu'en fait, Ichimoku, quand tu regardes les formations au niveau Ichimoku, c'est très bien, mais c'est hyper compliqué, quoi. C'est vraiment une usine à gaz. Donc moi, j'ai simplifié ça grâce à mon petit talent d'observation. En fait, j'arrive à observer un système et à trouver la faille, à trouver le petit truc qui va faire toute la différence. Et donc, il y a de cela pas mal de temps. J'ai trouvé, parce que je ne comprenais pas Ichimoku, hein. Donc j'ai trouvé la faille et je te montrerai comment toi aussi en profiter. Voilà. Donc je te laisse, parce que je suis un petit peu bavard, je te laisse. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc à demain. Pense à t'inscrire et tu recevras aussi, j'ai oublié de te le préciser, mais j'ai décidé aussi de t'envoyer des emails quotidiens pour te tenir au courant de mes avancées, de cette aventure qui est vraiment une aventure formidable. Alors bien sûr, des fois on a des belles surprises, des fois aussi on a des galères. Moi j'ai connu des galères aussi
y a pas mal de temps, mais même dernièrement aussi, je connais aussi des galères, dans le sens où tu testes un robot, il tourne bien, et puis après, boum, tu vois que tu perds. Ça arrive à tout le monde, et il faut surtout se reconcentrer et travailler derrière pour pouvoir avancer. Et heureusement, parce que regarde maintenant le résultat avec Forex Boss. Alors, je sais pas si sinon on va rester, mais en tout cas, voilà. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao.